Alors, je reviens pour un haul, un méga, méga, méga haul. Lidl, taux et mozzarella, 2,59 €. Une petite glace Vienetta à la fraise de chez Italiano, la marque italienne de chez Lidl. Je l'ai payé 1 € et des bananes. Des petites pâtes, je les ai payées 2,40 €. Avec rigatoni con pomodorini et pecorino. Ciao, hello mi amici d'Italia. Moi. Alors, ceci, des vongole 2,29 €, mais ça c'est une tuerie. Sugo pronto alle vongole. Il faut juste mettre les spaghettis avec et c'est une tuerie, 2,29 €. Allez-y, hein, c'est en ce moment. Hein. C'est pour ça que je me dépêche de le faire et je vais le mettre ce soir. Voili voilou! Je vais juste reposer, je reviens. Coucou! Donc voilà, me revoilà, j'ai été rangée dans le congélateur. J'ai pris ceci, il est à moitié cassé. J'ai dû payer 2 €, même pas 2 €. Je n'ai pas le tarif là, mais peut-être 99 centimes. Parce que j'ai pas le temps de manger, j'arrive du travail. 2,49 €. Tiramisu à la fragola. 1,49 €. 1,49 €. J'adore. Franchement, c'est trop bon. Il y avait 4 sortes. Il y avait tomates séchées, il y avait oignons. En fait, je crois qu'il y avait 3 sortes. Tomates séchées, oignons et carciofi. Les artichauts. Alors, c'est marqué. Carciofi in olio di girasole. Ça veut dire les cœurs d'artichaut à... Enfin, c'est des artichauts à l'huile de tournesol. Girasole, ça veut dire tournesol. Parce que soleil, c'est soleil. 99 centimes, je ne les connaissais pas. Du moins, moi, je ne connaissais pas. Des galettes de riz. Mais j'ai dû payer 2,49 €. Alors, c'est des la porchetta arrostita. Arrostita. La porchetta. Ça, franchement, c'est du porc, mais avec des épices. C'est une tuerie. Ça, ça va aller direct aussi au frigo. Des filets d'orange, parce que je mange beaucoup, beaucoup d'orange. 2,49 €. Je mange que ça. Énormément. Une baguette 65 centimes rustique. Bon, c'est une baguette. Hein. J'ai repris ceci 99 centimes, je crois. Hein. Je dirais des bêtises. Si je regarde le ticket, je vous dirai. J'ai trouvé cette petite brosse 1,49 €. Trop choupinette. Je l'adore. Regardez comme elle est belle. Elle est trop mignonne. J'adore. Moi, c'est trop cher. J'ai trouvé ceci, un petit bloc-notes avec une licorne. My life is magical. Regardez comme c'est mignon. Oh, ben ça, ça va aller direct dans mon sac. Je trouve ça trop choupinou. J'ai acheté ceci. Oui, c'est cher. Papier toilette. Pour enfants, mais moi, je m'en sers voilà, pour le travail. C'est très bien. 1,19 €, des endives. Oh, les endives, j'adore. Alors, je vais vous donner une petite astuce. Pour... Moi, je fais ça depuis très, très, très longtemps. Hein. En fait, je coupe l'intérieur de la, le fond, l'intérieur de la, comme un cône de l'endive, et vous rajoutez une petite pointe dessus quand vous les faites cuire. Sinon, en salade, eh ben, vous coupez. Mais je viens vous montrer. Hein. Attendez, je vais vous montrer. Donc, vous prenez un couteau, vous coupez ça, bien sûr, et là, vous faites comme ceci, regardez. Parce que c'est là où il y a l'amertume, c'est dans le cône. Vous enlevez ce petit cône. Et là, vous voyez, l'endive est comme ça. Et là, je peux vous assurer qu'il n'y aura plus d'amertume. Si, parce que si je suis une feignante, moi j'aime bien des fois les repas qu'ils font à Lidl. Garbure, non, pas italien. Garbure de jambon cru de pays aux 6 légumes. Ben, moi, je pense que ça a l'air super sympa pour un petit repas le soir si on n'a pas d'haricots, c'est des... Il y a des haricots. J'avais pas vu. Mais franchement, ça a l'air bon, hein. Donc 3,49 €. Donc ça, c'est le deuxième carciofi que j'ai pris des cœurs d'artichaut pour mélanger avec des petites salades. Ah mais non, ah, mais j'ai eu de la chance, hein. Mais je vous jure que j'ai eu de la chance. En fait, il y a bien 4 sortes. La 4e sorte, c'est funghetti, ce sont des champignons.
Vous voyez, il y a les champignons. J'ai eu de la chance parce que je pensais que j'avais pris deux cœurs d'artichaut. Donc j'ai artichaut et fungaïti. Moi, les cœurs d'artichaut, je mets avec des tomates, je mets en petite salade, j'adore. Ou le cœur d'artichaut avec du poisson. J'aime bien aussi faire revenir mon petit poisson et puis les petits cœurs d'artichaut dedans. J'adore. Bah, ça, vous le savez, de toute feignasse, je prends les pommes de terre au micro-ondes. 99 centimes. Si, alors c'est pour les bruschettas. Mais moi, je ne vais pas m'en servir pour les bruschettas. Vous savez ce que c'est les bruschettas? C'est les tartines fines grillées. On coupe des petites tomates avec des petits oignons et on met ça dessus et avec un peu d'huile d'olive et on le fait au four. Moi, je vais m'en servir, mais je vais m'en servir comme accompagnement pour ma viande. Voilà, moi j'aime bien, j'ai beaucoup d'idées, vous allez voir, énormément d'astuces. Donc ça pour moi, bruschetta au poivron grillé, ben ça va être super parce que le poivron déjà à la base il est épluché. Donc c'est avec une petite sauce, donc je pense que ça doit être super. Si je cherche mes lunettes, je peux les chercher pendant 10 ans. Alors, ingrédients, poivron grillé, origine Italie, huile de tournesol, sucre, sel, ail, persil. Vinaigre de vin, ben voilà, ben franchement je vous assure que ça, avec une petite cuisson, moi je vais faire des petites entrecôtes là que j'ai acheté pas trop cher à Carrefour parce que je vous montre pas tous mes achats, mais bon que j'ai acheté à Carrefour 5,50 les deux petites entrecôtes et franchement elles étaient super, et ben je vais l'accompagner avec ça. Et d'ailleurs à Carrefour j'ai acheté aussi ça, alors franchement 1,49€, super, à Carrefour Market 1,49€, génial. Donc les avocats 2€ ou 2,99€. Non, je crois que c'est 1,99€ les deux. Ils sont mûrs à point. Bah, franchement, allons-y gaiement. Moi, j'adore. Et en plus, c'est très très bon pour la santé. C'est des oligo-éléments. L'avocat, on peut en manger tant qu'on veut. On ne grossira pas. Contrairement à ça, une focaccia. Ça fait grossir 99 centimes. Petite salade crudette, cœur de laitue, 1,15€. Franchement, moi je me suis dit, je sais pas, je trouvais que cette fois-ci c'était pas cher du tout. Lidl, j'ai acheté un croque monsieur, je sais pas où il est. Ah oui, des nata, je sais pas combien je vais payer. Et ceci, mais j'ai autre chose en plus. Ah oui, j'ai acheté ceci. Alors, ceci, c'était en fait, c'est pour les vitres. Regardez le décor comme il est joli, on n'avait plus qu'un comme ça. Dimension 67x200, adapté aux fenêtres et aux portes intérieures en verre lisse. À découper aux dimensions souhaitées, repositionnable. Voilà, pour moi c'est parfait. Il faut savoir et que je suis allée à Lidl. Hein, bye bye. Je suis allée à Lidl, je suis un haut Lidl, mais j'avais acheté un petit truc. Haha, Action. Eh ben oui, je me suis trompée, c'est pas Lidl, c'est Action. Par contre, je crois que je vais le garder, même à 5,49€, celui que j'ai acheté à Action, je vais le garder. Ah, pour le chat. Et du coup, je vais le ramener parce que j'ai le ticket. Et je vais garder celui-là que j'ai payé 14€ parce que la Lidl, j'avais payé 5,49€. Et franchement, pour 10€ de plus, regardez comment c'est mignon. Mais comment elle va se régaler avec ça. Mais regardez, c'est trop choupinou. Voilà, je suis en bas. Regardez-moi. Pour permettre à votre chat de jouer, grimper et de faire ses griffes. En 6-1, voilà. Regardez, le petit chat est dedans. Je vous la filmerai. Alors... ça, c'est pour moi à midi parce que j'ai pas faim. Bon, en fait, je vais avoir plein de trucs pour moi à midi. Je vais manger ça, je vais manger ça. Voilà, je vais le garder. Je dois aller dans Paris, j'ai pas envie. Je suis un peu fatiguée. Poulet rôti et fromage italien. Alors ça, c'est très bien parce qu'en plus, on a un petit gâteau avec. Moi, je connais, c'est vraiment super. 2,99€, mais c'est super bien. Et c'est bon jusqu'aux lunettes, s'il vous plaît, de mars. Voilà, donc j'ai le temps. Comme je suis en vacances, demain après-midi, pendant une semaine. 19 centimes les petites friandises, là, viennoiseries. Ça aussi, je l'ai acheté pour ce midi, mais moi, je m'en fous, moi, j'ai acheté 3 repas. Croque-monsieur, mais ça, je vais le manger. En fait, je vais manger tout ce qui n'est pas du tout bien pour la santé. Je vais manger un croque-monsieur. Je vais me faire une salade d'endive et je vais manger ça. Vous savez l'endive que j'ai ouverte, mais je vais me faire une petite salade. Voilà mes choubidous. Alors, la note. Alors donc, où est-ce que j'avais un doute? Papier de film pour vitre, j'ai payé 5€. J'ai cru que j'avais payé 3,99€, j'ai payé 4,99€. C'est pas grave. La brosse à cheveux, elle était 1,49€, j'ai payé 1,99€. J'ai dû encore me tromper dans les prix. Le petit bloc-noc à 1,29€. Voilà, je suis très contente de mes achats parce que j'en ai pour pas mal de temps quand même. Avec mes petits, je vais faire des spaghettis à la vongolée, je vous jure que c'est une tuerie. Ce sont des coquillages qui s'appellent des Vénus.
Ce n'est pas des palourdes, hein, c'est comme des Vénus. Et franchement, c'est super bon. Vous mettez ça avec de l'ail, de l'oignon, des tomates. Pas obligé de mettre des tomates, là, mais j'ai vu qu'il y a des tomates, mais moi je le connais sans tomates, avec de l'ail, du persil et des oignons. Et c'est une tuerie. Dans la michoubidou, si ma vidéo vous a plu. Wine pouce. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très très bientôt. Si ma vidéo vous a plu, un pouce. Si elle ne vous plaît pas, regarde à toi, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Je suis maquillée, très gentille, je suis maquillée. Je suis maquillée avec un rouge à lèvres. Bah, le pire, c'est que j'ai pas mis de rouge à lèvres, hein. C'est un truc de fou. Ah si, avec celui-là, mais on n'en trouve plus, hein. C'est du Max Factor. Max Factor ou... C'est Action, mais on n'en voit plus. Regardez comme il est beau. Voilà, c'est celui-là d'Action. Il y en a, j'aurais dû les prendre tous parce qu'ils sont vraiment super. Si, c'est Max Factor. Ils sont géniaux. Et je suis maquillée avec la palette Golden Bar ainsi que... Je sais plus. Voilà. Bien sûr, ce, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. I love you, ich liebe dich, te quiero, ti amo. Likez, partagez, commentez, surtout commentez. Moi, j'aime bien quand vous commentez, j'adore. J'ai pas assez de commentaires, j'en veux plein, plein, plein. Bisous, I love you.